Le tunnel du Fréjus est fermé pour de longues semaines après l'incendie d'un camion hier qui s'est propagé à d'autres. Le bilan est de 2 morts. Il aurait pu être plus élevé. Le dispositif de sécurité a fonctionné. Les déviations mises en place font craindre un engorgement dans la vallée du Mont-Blanc. La session 2005 du bac avait plus de 630 000 candidats, coup d'envoi jeudi pour la philo et l'après-midi pour le bac technologique. Les filières professionnelles commencent à faire le plein à quelques jours des épreuves. Le stress est contagieux. Laurent Fabius ne fait plus partie de la direction du PS. Il a été évincé hier pour avoir prôné le non au référendum. Réaction des militants qui reflètent les divisions du parti. Certains approuvent, d'autres parlent de sanctions malvenues. François Hollande est l'invité de ce journal. Roland Garros, la finale revient au jeune espagnol Rafael Nadal qui remporte son premier tournoi des internationaux de France. Il a battu l'argentin Mariano Puerta en 4-7, un champion de 19 ans à qui rien ne résiste. Et puis 1 million de visiteurs sur les Champs-Élysées transformés en stade olympique avec la participation des plus grands athlètes. Une grande journée de soutien à la candidature de Paris pour les JO 2012. Madame, Monsieur, bonsoir. Le tunnel du Fréjus, sévèrement endommagé par un incendie qui s'est déclaré hier soir, restera fermé pendant des mois. Il aura fallu plus de 7 heures aux pompiers pour venir à bout des flammes et des fumées toxiques dégagées par un camion transportant des pneumatiques et dont le feu s'est propagé à 3 autres poids lourds. La chaleur par endroit a atteint les 1200 degrés. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Virginie Fichet, Philippe Fivet. Triste maillon d'une chaîne de cendres. Les carcasses des 4 poids lourds qui se sont embrasés s'alignent sur plus de 600 mètres dans le tunnel. Peu après le début de l'incendie, vers 18h, une quinzaine de véhicules a pu faire demi-tour et sortir de la fournaise. 10 autres usagers, comme ces routiers, se sont échappés comme ils ont pu. J'ai essayé de faire demi-tour avec mon camion, mais il y avait une voiture derrière moi. Le conducteur a paniqué, a abandonné le véhicule et a commencé à courir. Je ne pouvais pas bouger mon camion. Je n'avais pas d'autre choix que de le laisser et d'essayer de sortir. 2 autres conducteurs n'ont pas eu cette chance et sont morts asphyxiés. Devant la fumée opaque et toxique qui se dirigeait vers la sortie italienne, les pompiers italiens ont dû rapidement renoncer à progresser. Au plus fort du sinistre, la température atteignait 1200 degrés. Le brasier n'a été maîtrisé que vers minuit. C'est comme une cheminée, le tunnel véhicule des gaz chauds qui enflamme tout sur leur passage à partir d'une certaine température. Les premiers attaquants qui se sont agenouillés par terre pour pouvoir attaquer, eh bien, ils ont senti le goudron fondre sous leurs genoux. Le camion à l'origine de l'incendie a pu franchir les détecteurs thermographiques encore en test côté français. Ils n'ont donc pas pu repérer les prémices du feu. Au kilomètre 5, ce poids lourd qui transportait des pneus s'est enflammé. L'incendie s'est ensuite rapidement propagé aux autres camions. En Italie, des confrères ont pu consulter les images des caméras de surveillance du tunnel qui montrent clairement le point de départ du feu sur le camion. Il arrive dans le tunnel et il fume sur la gauche. Il s'arrête et il a des flammes qui viennent sur la partie de droite. Sur place ce matin, le ministre des Transports, Dominique Perben, a rencontré son homologue italien et surtout salué le courage des pompiers, dont 6 ont été intoxiqués. On a frôlé une nouvelle catastrophe, mais les leçons du Mont-Blanc ont payé. Le dispositif de sécurité était en place et a fonctionné, permettant l'évacuation d'une 20aine de personnes. Loïc de la Mornay, Guillaume Michel. Voici ce que donne le tunnel du Fréjus en fumée lors d'un exercice d'entraînement. Et voici l'endroit grâce auquel beaucoup de personnes ont eu la vie sauve hier, les refuges étanches et leurs galeries d'évacuation. Ils font partie des nombreuses améliorations de sécurité effectuées depuis l'année noire de 1999. Après l'émotion qu'avait suscité le drame du Mont-Blanc, des mesures importantes avaient été prises dans le tunnel du Fréjus. 56 millions d'euros avaient été dépensés pour réaliser de nouveaux abris, pour sécuriser les dispositifs d'alerte et de régulation du trafic. Et heureusement que ces mesures avaient été prises. Depuis, on a placé aux entrées de nouveaux portails thermographiques. Toujours en test, ils détectent par infrarouge une éventuelle surchauffe dans un véhicule. 250 caméras ont été installées tout au long des 12 km de tunnel. Et surtout, le nombre d'abris a été doublé. Il y en a 11 aujourd'hui. Ces locaux pressurisés empêchent les fumées de pénétrer et permettent de fuir vers un conduit d'air frais au-dessus du tunnel routier. Un autre conduit aspire l'air vicié. Enfin, les moyens d'intervention ont été renforcés, comme avec cette étonnante navette de secours pressurisée à 2 têtes, ce qui lui évite de faire un fastidieux demi-tour dans le tunnel. Mais c'est dans l'information du public qu'il faut progresser. Aujourd'hui encore, les réflexes des conducteurs ne sont pas les bons.
Le réflexe naturel, c'est de rester dans son véhicule. Ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est de quitter son véhicule, de le laisser sur place et de rejoindre le plus rapidement possible un abri. C'est à cette seule condition que les vies peuvent être sauvées. Aujourd'hui, l'air est encore âcre. Ici, la température est montée jusqu'à 1200 degrés et le macadam a fondu. Toute la difficulté pour les usagers a été de courir parfois sur un kilomètre pour trouver un refuge. C'est trop. À l'avenir, une loi européenne imposera un refuge tous les 400 mètres. Fermé pour une durée indéterminée, le tunnel du Fréjus est un axe très fréquenté par les poids lourds qui se dirigent vers l'Italie. Et déjà, le report annoncé du trafic par le Mont Blanc suscite l'inquiétude et l'indignation des associations qui parlent de catastrophe écologique. Philippe Visserias, Céline Crispi. Au pied du Mont Blanc, la vallée de Chamonix attend avec angoisse l'arrivée des camions qui ne peuvent plus passer par le tunnel du Fréjus. Désormais, pour traverser les Alpes, sur l'axe Lyon-Turin, il faudra passer par le tunnel du Mont Blanc. Depuis l'incendie de mars 1999 qui fit 39 morts, d'importants travaux ont été réalisés. Aménagement de refuges, création de postes de secours. Mais le tunnel du Mont-Blanc est-il capable d'absorber ce surcroît de trafic? Oui, selon les professionnels du transport routier. Il y a des possibilités de report afin d'absorber les trafics, le Mont-Blanc étant actuellement sous-utilisé d'un point de vue infrastructure. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 3500 camions passaient tous les jours par le tunnel du Fréjus. S'ils se reportent tous sur le tunnel du Mont-Blanc, ce sont près de 5000 camions qui traverseront chaque jour la vallée de Chamonix. Un drame pour l'environnement, d'après les associations écologistes. Si on continue cette politique imbécile du tout routier, on aura comme conséquence normale plus de camions, plus de pollution, plus de risques d'accident. Autre solution pour désengorger les routes, mettre les camions sur des trains. Une alternative sous-utilisée actuellement en France, selon les syndicats. L'élément déterminant dans cette affaire, c'est le désengagement continu de la puissance publique, de l'État, alors qu'il faudrait soutenir financièrement ces activités, ces formes alternatives autoroutiers que sont le transport combiné et le ferroutage. À long terme, un train devrait relier Lyon à Turin en 2 heures. Il pourrait transporter près de 2 millions de camions par an. Mais il n'est pas attendu avant 2015 au minimum. Les épreuves du bac commencent cette semaine. Coup d'envoi jeudi pour la session 2005 avec la philo. Plus de 634 000 candidats, légèrement plus que l'an passé. Et le stress est contagieux. Ce sont souvent les parents qui sont les plus touchés. Stéphanie Davoigno et Eric Mézy. Bonsoir chérie. À peine le temps de s'embrasser. Ça passe une bonne journée. Seule préoccupation de Madame Loret, le bac de sa fille. Beaucoup de travail, beaucoup. Alimentation, motivation, révision, Madame Loret donne son avis sur tout. Et puis après on va regarder les devoirs ensemble. C'est fini les sorties, hein. Oui, jusqu'à l'examen. Hein. Priscilla est une élève studieuse, appliquée. Cela n'empêche pas sa maman de s'angoisser, de vouloir se rendre utile à tout prix au risque de l'étouffer. Parfois, elle me transmet un peu son stress, donc c'est pas facile. Donc des fois, je lui dis, t'inquiète pas, maman, moi je suis adulte, je sais me débrouiller. Bon, allez, chacun son travail alors. Et lorsqu'elle s'éloigne, ce n'est que pour mieux revenir. On va manger du concombre en entrée. Mmh. On va manger une omelette aux pommes de terre. Quand ce n'est pas Priscilla, il reste le fils de 14 ans. On dit, ça va chérie ? Qui lui passe son brevet. Tu as beaucoup de devoirs pour demain ? Oui. Tu appelles si tu as besoin d'aide ? Oui. Moi je vais continuer de dîner avec papa. Faut pas s'affoler hein. Moi j'ai qu'une devise et ça passe ou ça casse donc... Ah par contre je t'avais dit, le téléphone ne voulait pas devant toi quand tu travailles. Madame Loret, aide ménagère, n'a que son certif. Non, non, non. Alors le bac de Priscilla c'est un peu sa session de rattrapage. Et tu travailles pas pendant ce temps-là. Moi j'ai pas pu faire d'études et que je travaille très dur, je fais un métier difficile et je voudrais que ce soit peut-être un peu plus facile pour mes enfants. Alors dans un mois, si Priscilla a son bac, le moment des comptes du soir. Ce ouais. sera aussi un peu celui de sa maman. À côté des filières classiques, il y a les candidats au bac professionnel en légère augmentation, inscrits dans 50 spécialités différentes. Ces élèves, une fois leur diplôme en poche, ont 60% de chances de trouver tout de suite un emploi, comme le montre ce reportage à Toulouse, pour ces aspirants bacheliers qui travaillent dans l'aéronautique. Vanessa Rouet, David Bresse. Seules quelques heures les séparent de la première épreuve du bac pro. Et si vous faites des rayures et autres, ce sont des points moins sur la qualité de finition de la pièce.
43, 97. Encore temps pour ces futurs techniciens d'usinage de combler les dernières lacunes tout en masquant les premières angoisses. Ouais, voilà, dernier préparatif, quoi. Donc on a tout mis au point, quoi, pour essayer d'organiser le travail, quoi. Mais bon, ça ira. Pas trop stressé ? Non, pas trop stressé, il faut pas. Tous ici ont compris l'enjeu. Un bac pro en poche, des débouchés en plus, une seule idée en tête, travailler dans l'industrie aéronautique. Moi, Airbus, c'est un appel du pied ? Ouais, on va dire que c'est comme ça. Ouais. J'ai fait un stage là-bas et ouais, j'ai bien envie d'aller travailler plus tard. Il faut aller sur les petites PME, histoire de se faire la main, et puis dès qu'on a une bonne expérience, là on peut envisager d'aller à Airbus. D'où l'intérêt de faire un bac pro. Ouais, parce que c'est vachement pointu, la productique. Et le lancement de l'A380 a donné des ailes au marché des offres d'emploi. Actuellement, dans la région, il y a pas mal de propositions d'embauche et on recherche des bac pro, techniciens d'usinage et producticiens. C'est une vraie seconde chance pour eux ? C'est complètement une seconde chance. Une seconde chance que seuls 20% des candidats saisissent, faute d'informations ou de bonne orientation. Le bac pro, on ignore. On ne connaît que quand on vous a dit « Ah, mais pour toi, les études générales, c'est peut-être pas ça. » Alors que c'est avant qu'il faudrait dire « Voilà, il y a d'autres bacs que les bacs généraux. » Surtout que le bac pro, c'est 80% de réussite à l'examen. Et dans les 4 mois, 63% des bacheliers professionnels qui décrochent leur premier emploi. 150 jours de détention pour Florence Aubenas et son guide Hussein Hanoun. Tout ce week-end, manifestation de solidarité partout en France, avec notamment ces 150 bateaux qui ont quitté Marseille ce matin. 150 bateaux qui arborent un pavillon portrait des otages. La cloche de la cathédrale et des églises du Vieux-Port ont sonné pour le départ de ces bateaux qui faisaient route vers l'îlot du Planier, site du phare de la Liberté. Au Vatican, Benoît XVI, après la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre a demandé la libération de Clementina Cantoni, enlevée à Kaboul le 16 mai dernier en Afghanistan. D'après les autorités italiennes, les pourparlers sont en bonne voie. À l'occasion de ce dimanche, journée mondiale de l'environnement, gros plan sur la Chine qui devient l'un des pays les plus pollués de la planète. Compte tenu de son développement industriel, poussé par une très forte croissance, les usines tournent à plein et même les autorités reconnaissent que 400 millions d'habitants respirent un air gravement pollué. Correspondance, Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. C'est la source principale de pollution de la ville de Pékin. L'usine sidérurgique de Shougang qui envoie ses fumées nocives sur la future capitale olympique. Elle est en voie de déménagement, tout comme 200 autres usines, mais les dégâts sont bien réels parmi la population et les 100 000 ouvriers qui travaillent là. Je souffre de maux de tête et aussi du cœur. Je suis cuisinier à côté de l'usine. C'est sûrement à cause de la pollution. La seule ville de Pékin consomme 26 millions de tonnes de charbon et les deux tiers de l'énergie qui alimente la Chine viennent de ce minerai. Si l'on y ajoute la pollution automobile avec près de 3 millions de voitures à Pékin, le mélange charbon-gaz d'échappement est nocif. La Chine est beaucoup trop dépendante de la combustion du charbon pour produire son électricité. C'est un gros problème. Cela provoque un excès de gaz carbonique et des pluies acides. Le barrage des Trois Gorges produit peut-être une énergie propre pour la ville de Shanghai, mais le lac de retenue, grand comme la Suisse, fait stagner les eaux du fleuve Yangtze, pollué par des centaines d'usines et les déchets des villes qui se déversent ici. Uniquement pour la ville de Yichang, nous avons dû investir plus de 10 millions d'euros pour construire des usines de traitement des eaux et des ordures. Mais le développement économique va plus vite que le combat contre la pollution. L'eau des rivières n'est plus consommable et s'y ajoute le problème des déchets électroniques venus de Chine et d'ailleurs. La Chine ne manque pas de lois sur la protection de son cadre de vie, mais la plupart des dirigeants sont plus intéressés par la croissance économique que par le respect de l'environnement. Au chapitre médecine, ce colloque sur les femmes et le tabac, l'occasion de nous intéresser aux futures mamans. Un tiers d'entre elles fument pendant leur grossesse, c'est beaucoup. Au CHU de Bordeaux, on joue la prévention pour aider les femmes sans les culpabiliser à diminuer ou à arrêter. Isabelle Quintard, Christian Leroux. En fait, vous gardez bien l'air. C'est l'un des moyens pour détecter les fumeuses, le test du monoxyde de carbone. Nous sommes dans un cours de préparation à l'accouchement et ici on essaie d'inciter les éventuelles fumeuses à renoncer à la cigarette. Quand elles arrivent à la préparation, souvent elles sont dans leur 7e, 8e ou 9e mois. Elles sont dans le dernier trimestre de la grossesse.
Donc leur dire à ce moment-là, votre bébé risque ça, 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 ça leur ferait vivre un troisième trimestre de grossesse quand même très, très anxiogène. Et le principal, c'est de leur proposer de l'aide. Cette future mère fume 5 cigarettes par jour. Elle connaît les dangers, mais elle le dit elle-même, elle a encore du mal à réaliser qu'elle est enceinte. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'arrive pas à s'arrêter. J'aurais plus de facilité à arrêter quand elle sera là. J'aurais peut-être pas envie de, je sais pas, d'embrasser ma fille et de puer, enfin de puer la clope, quoi. C'est un peu... J'aurais pas envie que non plus mon environnement fume juste à côté d'elle, quoi. Donc peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être plus le déclic. Si certaines arrêtent la cigarette dès l'annonce de leur grossesse, beaucoup n'y parviennent pas. 35% des femmes enceintes fument et les conséquences pour le bébé ne sont pas négligeables. Alors, on voit très bien que chez ces femmes, il y a un spasme et donc le flux sanguin passe moins bien. Et donc, au niveau placentaire, le fœtus est moins bien alimenté. Donc la conséquence, c'est qu'on a des enfants plus petits. Retard de croissance, prématuré, les problèmes liés au tabagisme de la femme enceinte sont multiples et parfois très graves. 3 fois plus de risques de fausses couches que chez les non-fumeuses et un danger de mort subite du nourrisson multiplié par 2. Le message est donc le même que pour l'alcool, c'est la tolérance zéro. En Seine-et-Marne, la disparition d'une mère de famille qui faisait, comme chaque jour, son jogging. On est sans nouvelles de cette épouse d'un commandant de l'armée de terre depuis jeudi. Une enquête pour enlèvement est ouverte. Bernard Lebrun. 3 jours que la gendarmerie quadrille cette forêt de Seine-et-Marne. Pas un indice, aucune trace de cette mère de famille d'une 40aine d'années qui a disparu jeudi matin pendant son jogging. Nelly Crémel habite cette maison depuis 3 ans avec son mari, commandant dans l'armée de terre, et leur fille, âgée de 10 ans. Qualifiée de disparition inquiétante par le procureur de Meaux, de grands moyens ont été déployés, hélicoptères, garde républicaine à cheval et Zodiac sur la Marne, en vain pour l'instant. C'est toujours préoccupant, mais là, au bout de 3 jours de recherche, on se demande où elle est passée. Durant tout le week-end, la population du village, où le couple est très apprécié, s'est mobilisée pour participer aux recherches. On a même dû canaliser un petit peu en accord avec la gendarmerie, de façon à ce qu'on ne vienne pas entraver leur enquête. L'enquête, confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Paris, n'a pour l'instant révélé aucune raison à sa disparition. Les recherches devraient se poursuivre demain. Après des années d'instruction, s'ouvre demain le procès du père François Lefort, un homme d'une certaine notoriété, prêtre, médecin, écrivain, qui a travaillé aussi bien en France qu'au Sénégal. Il est accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Il a toujours clamé son innocence. Dominique Verdaillan, Marc de Lagenhagen. Parler aux médias, convaincre devant les caméras, prêtre et médecin François Lefort a longtemps considéré que c'était une nécessité, sa mission. Mais à la veille de son procès pour pédophilie, l'accusé François Lefort et ses avocats ont choisi la discrétion. Depuis maintenant 10 années, une instruction très longue s'est déroulée, mais en réalité, les confrontations auront lieu à l'audience de la cour d'assises. Nous avons donc, nous, toutes à en espérer. C'est ce que nous faisons et nous ne pouvons pas en dire plus actuellement. Il est vivant, Longtemps, l'image de François Lefort fut celle d'un prêtre humanitaire, au service des plus démunis, des enfants des rues, principalement en Afrique. L'homme militait aux côtés de Médecins du Monde, de la Fondation Raoul Follerot. Un exemple, une conscience. François Lefort se targuait aussi d'être un pourfendeur de la pédophilie, un combat qu'il assumait face caméra. C'est notre société qui actuellement est malade. Qu'est-ce que c'est que cette société qui génère des hommes qui ont envie d'aller faire l'amour avec des petites filles de 5 ans ou des petits garçons de 8 ans? Mais ce sont les enfants eux-mêmes, ceux qui étaient à ses côtés, qui en 93 ternissent son image et l'accusent de viol. Cette chose-là, vraiment, je n'oublie pas. Et je n'oublierai jamais cette chose-là. Parce que c'est une chose qui brûle dans mon cœur, vraiment. C'était une chose qui m'empêchait de dormir. Un visage à deux faces, une vie en trompe-l'œil, c'est le sentiment des parties civiles. Et le fait qu'il se présente comme un pourfendeur de la pédophilie, étant lui-même médecin et prêtre, ça peut être aussi utilisé comme un masque qui le protégerait éventuellement de ses propres turpitudes. Libre tout au long de l'instruction, aujourd'hui curé d'une paroisse près de Cluny, François Lefort en cours, 20 ans de réclusion criminelle.
En politique se tient le premier séminaire du gouvernement Villepin à Matignon, ce moment même. Demain, le chef du gouvernement rencontrera l'ensemble des partenaires sociaux. Un mot d'ordre, la mobilisation pour l'emploi. Sur place, Jean-Baptiste Prédali, Vincent Ferreira et Chloé Lecomte. Un dimanche à Matignon, cela peut être studieux lorsque le gouvernement entame sa semaine sociale. Et les nouveaux ministres, comme Azouz Begag, sont encore impressionnés par cette rentrée des classes au mois de juin. Un dimanche à Matignon, c'est surtout comme un signal, montrer que le gouvernement est bien au travail. Si vous travaillez dimanche, on est au travail. On l'a compris, ils sont donc au travail. Et tout cela pour parler de la méthode du gouvernement. Pour entendre aussi une consigne, que les décisions soient vite prises et vite appliquées. Quant au thème, il est déjà connu, c'est l'emploi. Nous ne sommes pas le premier gouvernement à se mobiliser pour l'emploi, mais, a dit le Premier ministre, je veux que nous soyons le premier gouvernement qui y consacre toute son énergie, sans tabou, en mobilisant l'ensemble de la nation. Demain, Dominique de Villepin recevra les partenaires sociaux ici à Matignon, une façon de préparer sa déclaration de politique générale mercredi. Le thème est déjà connu, bataille pour l'emploi, avec l'engagement de décisions prises avant l'été. Et pour sa part, le ministre de l'économie Thierry Breton annonce la cession par l'État d'environ 6% du capital de France Télécom. Le gouvernement espère ainsi récolter autour de 4 milliards d'euros, peut-être davantage. Laurent Fabius ne fait plus partie de la direction du Parti socialiste. Il a été évincé hier lors du Conseil national après une journée tumultueuse. François Hollande est notre invité. Aujourd'hui, les militants s'interrogent. Fallait-il ou non écarter celui qui a fait campagne pour le non? Les réponses reflètent les divisions à l'intérieur même du parti. Pauline Revenaz, Daniel Lévier. Des militants remontés contre la direction du Parti socialiste. Pas étonnant, nous sommes sur les terres de Claude Bartolone, l'un des lieutenants de Laurent Fabius. Eux ont fait campagne pour le non et cette exclusion de la direction, ils ont du mal à l'accepter. C'était une façon de faire à la fois stalinienne et hypocrite, dans la mesure où Hollande parle de rassemblement des socialistes et sa première mesure politique, après le vote, c'est d'exclure. Même regret pour les rares ici à avoir voté oui. On n'a pas à virer qui que ce soit, on a besoin de tout le monde et surtout les gens du non. Comme dans une thérapie de groupe, la parole se libère, mais les mots sont durs. Mon parti n'a pas été capable d'entendre le vote des électeurs et se cantonne à, comme Chirac, à faire sa politique personnelle pour rester au pouvoir du PS. Autre analyse pour ces militants de Rennes, Laurent Fabius ne s'est pas plié aux règles de la direction à laquelle il appartenait. Laurent Fabius n'a pas été exclu samedi dernier, mais s'est exclu de lui-même en ne respectant pas le choix des adhérents du Parti Socialiste. Le concept de dire il faut respecter la démocratie, il faut respecter le vote, mais quand ça nous arrange et pas quand le résultat est en désaccord avec nos idées, franchement ça me bloque. Le débat vient de commencer, reste un peu plus de 5 mois avant le congrès pour permettre aux militants socialistes de surmonter ces divisions. François Hollande, bonsoir. Laurent Fabius est vincé donc pour avoir prôné le non-référendum, largement majoritaire donc au PS. Est-ce que vous comprenez que les militants soient parfois dans la confusion, le désarroi? Comment peuvent-ils s'y retrouver? Comment vont-ils s'y retrouver aujourd'hui et demain? Ils ont été dans la confusion pendant la campagne. C'est-à-dire qu'il y avait eu un vote au sein du Parti socialiste. C'est un parti démocratique. On avait fait un choix très majoritairement pour la ratification de la Constitution européenne. Et certains s'en sont affranchis. Nous n'avons pas d'ailleurs sanctionné. On m'en a fait d'ailleurs suffisamment le reproche. Mais j'ai considéré qu'il fallait justement rassembler le parti, même dans cette épreuve. Mais quand on est membre d'une direction politique, c'est-à-dire numéro 2 du parti, à côté du numéro 1, et ce n'est pas parce que Laurent Fabius a défendu le non, c'est parce qu'il a fait campagne alors même que la position majoritaire des militants socialistes, c'était le oui. Mais maintenant, cette question est réglée, nous avons mis en place une direction cohérente, nous allons ouvrir un congrès. Qu'est-ce que ça veut dire un congrès? Nous allons nous consacrer, tous les socialistes, parce que la question du oui ou du non, elle est derrière nous. Cette question, elle a été tranchée par les Français. Donc maintenant, ce qu'attendent les Français, c'est qu'on puisse donner un projet au pays. Alors, c'est ce que nous allons faire. Avant de parler des Français en général, on va parler des électeurs socialistes. Eux ne semblent pas tout à fait se retrouver derrière vous. Par exemple, selon ce sondage qui va paraître demain, les deux tiers considèrent que Laurent Fabius n'avait pas à être sanctionné. Mais il n'y a pas de sanction. Il y a simplement le fait qu'on ne peut pas être membre d'une direction de parti et ne pas respecter une règle élémentaire qui vaut pour toute organisation, c'est-à-dire le vote majoritaire. C'est sur ce principe-là, vous n'avez pas eu d'hésitation, vous n'avez pas de regret. C'est sur le principe de la démocratie
qu'il faut se retrouver. Et c'est pour cela aussi, moi je lance un congrès pour l'automne, novembre. Pourquoi ? Pour discuter de l'essentiel du projet. J'y remettrai bien sûr mon mandat en jeu et donc les militants auront la parole parce que je suis dans une organisation démocratique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de scission dans la famille de gauche qui a du mal à se retrouver ? Dès lors qu'on débat et qu'on débat sur l'essentiel, ce qu'attendent les Français, le projet, ce qui doit être l'alternative, il n'y a aucun risque. Et je veillerai, et je l'ai fait quand même, depuis 2002, après les épreuves et les succès que nous avons connus, j'ai toujours veillé à rassembler la famille des socialistes et je continuerai. Ça sera l'objet du congrès sur le projet. Petite question au passage. À l'automne prochain. Il n'y a plus de numéro 2. Qui va remplacer Laurent Fabius ? Il n'y aura pas de numéro 2. Donc il y a numéro 1, vous, et un numéro 3. Je vous le confirme. Et il y a ensuite une direction de parti qui doit travailler à préparer le congrès et tous les socialistes. Je dis bien tous les socialistes, au-delà de toutes les sensibilités, parce que le pays a besoin de nous, seront au travail pour ce congrès sur leur projet. Alors François Hollande, le gouvernement tient son premier séminaire aujourd'hui, avec demain Dominique de Villepin qui va rencontrer l'ensemble des partenaires sociaux. Est-ce que ça va dans le bon sens d'abord ? Bah écoutez, moi ce qui me surprend, c'est qu'il a fallu donc 3 ans pour que le gouvernement, le nouveau, c'est-à-dire le même, sans Jean-Pierre Raffarin, mais de nouveau avec Nicolas Sarkozy, découvre que c'était l'emploi la première priorité. Alors, on nous dit 100 jours. 100 jours pour trouver les solutions. Ça fait 1100 jours, je les ai comptés, que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, puis maintenant de Dominique de Villepin, est en place. Alors, et si donc, 1100 jours pour ne pas trouver la solution, je veux bien attendre 100 jours, même sans tabou, pour retrouver une solution. Mais si la solution, c'est de remettre en cause le code du travail, je le dis, le Parti socialiste sera fondamentalement hostile à cette disposition. Donc quand vous dites fondamentalement hostile, ça veut dire une opposition ferme, dure ? C'est-à-dire une opposition ferme, mais responsable. Parce que sur la question du chômage, je pense qu'il y a effectivement une solution. Et la première que je préconiserais, si j'étais à la place, mais je ne le suis pas, pour l'instant, si j'étais à la place du Premier ministre, c'est de rassembler aujourd'hui les partenaires sociaux et de mettre tout sur la table, emploi, pouvoir d'achat, formation professionnelle. Le fera-t-il ? Alors, nous le verrons. Peut-être encore un mot d'un autre sondage, celui-ci qui paraît demain, dit qu'au fond, le gouvernement ne fera pas mieux que les socialistes, finalement, à peu près à égalité. Mais sur la question du chômage... Ça veut chômage, dire qu'il y a un désenchantement total cette question. Ne disons pas cela. Sur la question du chômage, le gouvernement de Lionel Jospin avait créé 2 millions d'emplois et diminué d'un million le nombre de chômeurs. Je suis prêt, donc, à supporter la comparaison. Et deuxièmement, dans ce même sondage, il y en a 44% de Français qui pensent qu'on en ferait mieux. Nous n'avons plus qu'à en convaincre 7% de plus. C'est la tâche qui nous est maintenant confiée. Merci François Hollande d'avoir répondu à nos questions. Une semaine après le nom de la France au projet de constitution en Suisse, les électeurs se sont prononcés pour l'entrée dans l'espace Schengen. Plus de 54% d'entre eux approuvent l'adhésion à ces accords qui abolissent en fait une Europe sans frontières. La Suisse ne fait pas partie, je le rappelle, de l'Union. L'actualité sportive est chargée. On commence avec cette très belle finale à Roland-Garros. Le jeune Espagnol Rafael Nadal, pour sa première participation aux internationaux de France, a battu l'Argentin Mariano Puerta 6-7, 6-3, 6-1, 7-5. 3h24 d'un jeu soutenu. Il remporte son premier tournoi du Grand Chelem. Julien Benedetto, Mathias Barrois. La Coupe des Mousquetaires a trouvé son maître. Rafael Nadal, un gamin de 19 ans qui remporte Roland-Garros à sa première participation. On n'avait pas vu ça depuis Mats Wilander en 1982. Le roi Juan Carlos n'a rien raté, accolade entre Grande Espagne. C'est un rêve que je n'avais même pas imaginé. Faire une chose comme ça, c'est absolument incroyable à Roland-Garros. Moi-même, je suis impressionné par ce que j'ai fait et je suis vraiment content. Un sacre acquis de haute lutte face à Mariano Puerta, un Argentin plongeur qui s'offre le premier set au bout d'un tie-break d'anthologie. Puerta paye très cher cette débauche d'énergie. Dans les deux sets suivants, Nadal le punit avec son coup droit qui claque comme un coup de fouet. Suspendu 9 mois pour dopage la saison dernière, Mariano Puerta connaît trop le prix du sacrifice pour s'avouer vaincu. Dans le quatrième set, il lâche ses dernières forces dans la bataille. L'Argentin s'offre même 2 balles d'égalisation en 2 manches partout. Mais en face, il y a le meilleur défenseur du monde. Puerta a laissé passer sa chance. Un dernier coup droit raté ouvre la Puerta de la gloire à Rafael Nadal. L'Espagnol peut s'écrouler sur la terre qui vient de le couronner.
Roland Garros tient son nouveau prince. 6-7, 6-3, 6-1, 7-5. Les Champs-Élysées transformées en un immense stade olympique. 1 million de personnes au plus fort de la journée ont déambulé sur la plus belle avenue du monde. Un événement populaire sur les champs interdits aux voitures. L'amour des Jeux sur les champs olympiques. Anouk Burel, Sylvain Juvenal, Diane Richard. On les appelle les champs olympiques. Des dizaines de milliers de personnes se sont donné rendez-vous sur cet immense terrain de jeu aujourd'hui à Paris. Sur les podiums, le sport. Dans les allées, dans les bassins, les sportifs du dimanche rêvent des JO dans la capitale. J'ai l'impression que tout le monde a vraiment envie que 2012 soit à Paris. Je pense que ça serait une bonne chose aussi pour la génération de nos enfants qui voient ce que c'est que les Jeux Olympiques. C'est pas qu'à la télé. Toute la journée, les enfants ont pu affronter les plus grands champions français. Ils sont costauds, ils sont comment? Plutôt costauds. Mais les plus forts ne sont pas toujours ceux qu'on croit. La bagarre de récré s'appelle aujourd'hui de la lutte. Il a épuisé un champion, je crois. Là. Je crois qu'il a épuisé le champion, là. Et il y avait des dizaines de sports à tester. Ils ont essayé la lutte, ils sont très essayés d'escrime, et c'est une bonne occasion pour eux. Et vous, vous essayez quoi? Moi, je supporte, dans tous les sens du terme. Bien sûr, ce genre de manifestation a tendance à créer des vocations, en épée, par exemple. Allez, faut toucher là, hein. Allez, va toucher, voilà. Allez. J'ai touché 4 fois. Quand on a fait un combat avec papa, c'est moi qui ai gagné. Paris n'entend pas baisser la garde. En face de ton adversaire. New York, Moscou, Londres et Madrid n'ont qu'à bien se tenir. Une immense fête donc avec la participation active des plus grands champions qui espèrent témoigner de l'enthousiasme des Parisiens pour les JO 2012. Manuel Tissier, Nadine Picard. Main sur le cœur pour l'amour des Jeux. La candidature parisienne a voulu frapper un grand coup. À un mois du verdict, Paris s'est offert une journée olympique. Un message très clair vers les électeurs du 6 juillet. Ce sont des images qui vont faire le tour du monde, qui vont aller vers chaque membre du CIO, leur dire voilà, on a un beau dossier certes, mais on a aussi cette mobilisation totale. Une piste d'athlétisme au pied de l'Arc de Triomphe. Dans un mois, les membres du CIO se souviendront peut-être que des jeux miniatures ont eu lieu sur les Champs-Élysées. 28 disciplines sur 2,5 km. Ce pari est un peu fou. Mais il veut dire beaucoup. C'est qu'on est capable de faire des choses grandioses rapidement, d'avoir cet esprit un petit peu décalé et hors du commun, où ça va être la fête, où c'est une fête populaire. Les Jeux, c'est ça aussi. Quand on voit cette belle avenue avec tous les sports, on a envie que ça se répète en vrai. Bain de foule ou bain tout court, les stars du sport français n'ont pas manqué le rendez-vous des champs. Laure Manaudou a bravé la fraîcheur pour quelques longueurs à 2 pas de la Concorde. Et Marie-Josée Pérec s'est faite ambassadrice d'un Paris olympique. Tous les médaillés français, tout le monde encore une fois a répondu présent et on est là, on est derrière cette candidature et on est heureux. Voilà. Selon les sondages, 87% des Français disent oui à Paris 2012. La campagne semble réussie, mais la ville n'a pas encore gagné. Guy Roux, l'entraîneur de la JOCR, a annoncé aujourd'hui qu'il mettait un terme à sa carrière. Il part sur une victoire à 66 ans, après une vie presque vouée au même club, 42 saisons sur le banc. Mais l'entraîneur ne prend pas tout à fait sa retraite. À Rantanzit, Christophe Tortora. C'est une sortie magistrale que les Auxerrois ont offerte hier soir à leur emblématique entraîneur. Sur une 4e victoire en Coupe de France, Guy Roux tire sa révérence. Le Bourguignon quitte le métier d'entraîneur. J'ai toujours pensé qu'il fallait que ça s'arrête un jour et que ce soit moi qui décide. Je voulais que ça s'arrête en haut et pas au cours d'un déclin. Je voulais pas mettre le club en danger. On va faire des têtes, hein. Alors faire une tête, c'est dire bonjour, hein, comme ça. Et puis alors, 42 saisons de bons et loyaux services. Guy Roux, éleveur de champions, un dénicheur de talents, parfois père fouettard. Un entraîneur aussi connu pour ses coups de gueule que pour son goût immodéré pour le port du bonnet et les survêtements étriqués. Monsieur Roux, une personnalité à part dans le football français. L'intelligent qui paraît con. Guy Roux et Auxerre, c'est aussi une fructueuse histoire d'amour. Championnat, épopée européenne, hier soir une 4e Coupe de France grâce à ce but de Bonaventure Kalou. L'aventure de Guy Roux aura duré 44 ans.
À 66 ans, le Bourguignon peut s'en aller avec le sentiment du travail bien fait. Christian Dior aurait eu 100 ans pour célébrer cet anniversaire. Des modèles du grand créateur, venus du monde entier, sont exposés dans la maison de son enfance à Granville. Reportage Sophie Jouve, Didier Dahan. Ma vie, mon style, doivent presque tout à Granville et à la maison de mon enfance, confiait Christian Dior. Les heures à contempler la mer, les flâneries dans le parc, les discussions sous la pergola, c'est la belle époque, juste avant la guerre de 14. Le paradis de l'enfance, là où il va puiser l'inspiration de ses futures collections. Les couleurs, le gris des falaises, le rose de la maison, sont effectivement des codes de Dior encore aujourd'hui. Et puis, il y a, au fond, l'ambiance du jardin clos, où une enfance proustienne dégage un esprit subtil. Voilà la raison de l'extraordinaire jardin que constituent ces robes. Broderie minutieuse pour reproduire pâquerette, rose et muguet, sa fleur fétiche. Et plus généralement, la robe Dior, ouverte sur le bas comme une grande corolle. C'est ça la révolution du new look, embellir les femmes en les libérant. Nous sommes en 1947 et les Françaises ont besoin de respirer. Symbole, le tailleur Dior, pratique et d'une parfaite élégance. Il a modifié plein de choses dans le corps de la femme et tout. C'est grâce à lui qu'il y a eu une libération totale. Enfin... C'est le couturier. C'est pas une beauté sexy, ça ne parle pas aux pulsions, c'est une beauté sereine. Ça ressemblerait plutôt à la beauté grecque, peut-être. 10 ans seulement de création pour un homme qui invente aussi le total look. Une femme Dior ressort de l'avenue Montaigne avec chapeau, chaussures, sac à main, parfum et collier. Monsieur Dior, comme on l'appelait avec respect, meurt jeune à 52 ans. Il laisse une marque inoubliable dans la mode mondiale, aussi limpide que le ciel de Granville. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de Deadline avec Anne Parillo. Le film se déroule pendant la guerre du Liban en 1983 et raconte le quotidien des grands reporters. Pascal Deschamps. C'était il y a 22 ans, mais ce pourrait être aujourd'hui. C'était la guerre au Liban, mais ce pourrait être ailleurs. Un jeune journaliste débarque au lendemain de l'attentat suicide qui, le 23 octobre 83 à Beyrouth, avait fait 300 morts chez les Marines américains et les soldats français. Il y croise Julia, une reporter de guerre, de ceux qui ont fait leur spécialité des terrains où s'exprime la barbarie, de ceux dont on questionne le choix, dont on se demande ce qui les pousse à faire ça. Anne Parillo marche au coup de cœur. Après un film en Israël et une comédie en France, elle a dit oui aux deux grands reporters qui ont réalisé ce film d'après leurs souvenirs et lui ont fait rencontrer de nombreux photographes. J'étais extrêmement bouleversée, troublée d'entendre leur discours utopique, d'entendre leur générosité, d'entendre leur décalage, d'entendre leur désespoir et leur espoir. Parce que ça aussi, c'est une alchimie qui fait partie du reporter de guerre. C'est-à-dire qu'il y a l'espoir d'être utile, mais il y a le désespoir aussi, finalement, de s'apercevoir que rien ne changera la face du monde. What about something with you on the radio? Talking on the radio. Volonté de témoigner, mais aussi volonté de ne pas vivre une vie trop bien réglée. Une alchimie complexe que le film restitue avec sincérité. C'est aussi la question, enfin moi c'est ça qui m'a troublée, est-ce que reporter de guerre c'est un métier? Ou est-ce que c'est une façon d'être, une façon de vivre? Un peu comme acteur, où moi j'ai souvent défendu la théorie que ce n'était pas forcément une profession, mais encore une fois une façon de survivre dans un monde où on a du mal à trouver sa place. Le film pose des questions auxquelles il ne répond pas, mais c'est un témoignage brut du quotidien des reporters de guerre, juste avant qu'on ne commence à les prendre eux aussi en otage. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo présentée par Nathalie Rioué. Puis 20h55, votre film Matrix. Sur Heure 55, le dernier journal présenté par Jean-Claude Renaud. Demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Manuel Valls. 13h, Benoît Duquesne. 20h, David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte sur ces images des Champs-Élysées aux couleurs de Paris 2012.